Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes le mardi 19 septembre 1899. Le gouvernement n'avait pas montré une confiance exagérée dans la population. C'est au milieu de l'indifférence absolue que s'est passée la première journée de la haute cour. Nonobstant que deux soldats, ils étaient vraiment trop. Dans le Luxembourg, deux compagnies d'infanterie et deux de gardes républicains. Dans la caserne de Tournon, des soldats et encore des soldats, tous en tenue de campagne. À la fin de la journée, l'affaire est renvoyée en commission et tout débat est réservé. Ce vote signifie à n'en pas douter. Fort bien, nous allons passer au crible, demander des preuves, voir à la loupe ce complot bizarre et ces étranges comploteurs qui ne pensent qu'à s'emparer de la préfecture de Caen. Après la séance, un député radical ironise et nous confie. On nous a appris que M. Déroulède voulait la République plébiscitaire, que le duc d'Orléans voulait remonter sur le trône, que M. Guérin et les antisémites combattaient les juifs. Tout cela est palpitant. On a pendu, à Richmond, en Virginie, un noir nommé Finlay, qui avait simplement volé une montre. Le juge et le jury, ayant été informés par les notabilités locales que le malheureux serait lynché s'il n'était pas condamné à mort, la justice s'est docilement inclinée devant cette sommation, plutôt que de requérir l'appui de la force publique pour assurer l'application d'une simple prison requise par la loi pour ce genre de délit. Bonne journée, Madame, Monsieur, et à demain.